Ma caméra, elle veut plus filmer, elle est floue, elle comprend plus rien. Oh, je vous ai fait un jeté de cheveux L'Oréal. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Une énième vidéo, on est encore ensemble. C'est bientôt la fin, vous allez me manquer après, ça va être un truc de ouf. Donc, on y va, on pioche un défi tout de suite. Aujourd'hui, c'est le défi de _SMDJ qui m'a donné le défi de passer 24 heures en Mère Noël. Je suis trop contente, c'est grave un kiff de faire ça. J'ai toujours voulu être la Mère Noël. Moi, j'aurais un gars qui serait le Père Noël, ce serait archi bien. C'est sûr que je vais kiffer faire ça. Donc évidemment, je vais pas être une Mère Noël comme les autres. Je vous laisserai voir la suite, hein, vous allez voir ça juste après le générique. Mais avant ça, tu reçois un petit cadeau. Du coup, aujourd'hui, le cadeau du jour nous vient de notre bonne vieille Rihanna de la marque Fenty Beauty. Tu reçois une base pour le visage, pro filter hydratante. Elle est hyper bien, vraiment. C'est une de mes bases préférées. Donc tu vas kiffer, c'est sûr et certain. Et je t'envoie également l'anti-cerne, le pro filter. Ils sont super bien ces anti-cernes. Tu vas voir les produits Fenty Beauty. Vous savez comment je les adore. Et je vous laisse avec la suite et on se retrouve avec moi en Mère Noël. Ya ya ya. Aujourd'hui c'est 24 heures en Mère Noël, donc on va passer la journée ensemble et on va commencer par se maquiller parce que Mère Noël elle est quand même make-up. Et après j'ai pas mal de rendez-vous. One eternity later. Bon ça y est, je suis make-up, je viens de me préparer. J'aime plutôt bien rendu. Je vous montre pas en entier parce que j'ai pas encore mis mes chaussures. Bah envie de me balader comme ça toute la journée, mais c'est ce que je vais faire du coup, vraiment. Elle porte des bijoux la Mère Noël ou pas? Je crois pas, hein. Les gens vont encore me regarder trop bizarre. Pas grave. Tiens, je vais sortir dehors comme ça. J'ai pas de mots. Non mais genre, je fais grave Mère Noël. Vous aimeriez pas grave que je vienne vous offrir des cadeaux? On dirait Maria Carré dans son clip, hein, j'abuse un peu. Mère Noël, elle a pas de sac, mais je vais quand même mettre un sac parce que j'ai une vie. Mère Noël, elle a une cloche. Je vais gonfler tout le monde, putain. Je suis chiante, méchante. Bon allez. Bah la Mère Noël en tout cas elle a bien changé. On dirait pas, vous savez, une vieille. Son mari il était millionnaire et style il est décédé. Et genre elle est devenue folle. Elle sait plus quoi faire de son argent. Mais là je vais vraiment sortir dehors avec ce bonnet. Je vais passer d'abord au jardin de Nana parce qu'il fallait que je voie Johanna. D'ailleurs elle a ouvert un nouveau truc dans le 17. Du coup c'est plus ça pour moi, c'est hyper pratique. Voir sa réaction. Elle est capable de trouver ça normal en vrai. Quand j'étais habillée en Barbie, j'ai l'impression que limite tout le monde trouvait ça. Enfin, à la fin plus personne me regardait. Genre même les gens que je connaissais ça les choquait même pas. Du coup je viens d'arriver à... Ça va? Bonjour. Mais attends là. Mais c'est quoi ça? J'adore Mère Noël. Mais t'es pas, c'était elle. Ça va? Je voulais te voir en blond, mon rêve. Ah c'était hier. Du coup ma cloche elle fait grave du bruit. Vous avez dit quoi monsieur? Vous m'avez demandé, vous êtes excusé du retard. Je vous disais que la Mère Noël il faut bien l'attendre. Est-ce que je suis une belle Mère Noël? Terrible. Vous devriez faire la pub pour ça. Je commence à avoir une de ces migraines. Je sais pas si c'est le chapeau ou quoi. Bref, j'en arrive à l'agence, elles sont pas au courant que j'ai habillé comme ça. J'ai un shoot, elles savent que je vais me déguiser après. Mais elles savent pas que je passe 24 heures. Je leur fais vivre des choses, elles sont très, je pense, de mon comportement. Mais bon, en vrai, je suis juste moi-même. Je suis pas nette. Elle est trop bien. Vous trouvez que je suis nette? Tu me souviens? Non mais vraiment, t'as pas froid? Si j'ai ma fourrure. J'ai des bretelles. C'est un peu si, hein. Ça va?
Merci. Choose one. They call me Megatron, just did a telethon. He got my jealous on and I get my jealous on. I fuck him like I miss him, he just came. Maman adore. Ah, est-ce que je suis une belle-mère Noël? Si. Merci. A few moments later. Du coup, là, j'en profite vu que je suis habillée en mère Noël et que je vais pas me réhabiller tous les jours pareil. On va tourner les trucs pour ce que vous aurez vu juste avant dans le générique, ça aurait été tourné là. Salut les zoulettes. Les zoulettes. Les backstage. Comment on va faire là? Mais je crois que ça faut le mettre dans un... Tu vas pas me croire, j'ai plus de batterie. Ouais, Mère Noël a bien changé. Hein. Ok. Elle met à découvert Papa Noël. Hein. C'est pour ça que vous avez moins de cadeaux en vrai. Bruh. Là, j'ai vraiment honte. On va d'abord chercher dans un premier temps un chocolat chaud pour se réchauffer nos cœurs. La honte, trouve-moi du chocolat chaud, on va pas se balader pendant 7h. Tout le monde me regarde. C'est où qu'on peut trouver du chocolat chaud, monsieur? Chocolat chaud. Je sais pas. Cool, le propre monsieur, tu sais, on va faire quoi? On va le donner à un SDF, esprit de Noël. Très important. N'oublie jamais, jamais, jamais. D'où l'on vient, toujours le point levé. Exactement, et on n'oublie jamais ceux qui n'ont rien. Exactement, car nous, on a tout. Voilà. Même plus que tout. Et on dit. Et vive Noël, c'est un esprit de partage, exactement. C'est important. Exactement. Je n'avais pas prévenu de ma venue, mais je suis venue faire un tour au marché de Noël. Je veux pas plutôt équilibrer de mettre de l'autre côté. J'ai super peur. Pareil. Pourquoi on est monté là-dedans? Ah, ça a bougé maintenant. Mais moi j'ai trop peur des trucs comme ça. Mets-toi en face, s'il te plaît. Non, non, je peux comme plus ça, bouger. Comme ça tu vois, t'es plus posé. Si. Non, allez bouger. Oh là là. Oh putain. Prends ma mère qui va voir, on n'est pas arrivé au fur. Tiens le... Non. Oui, mon dieu. Oh. Alors, je vous explique. A few moments later. Dans les yeux, on va maintenant. Et ça, c'est mon truc préféré. Bon, du coup, là, on a fini au marché de Noël. C'est bien goinfré, voilà. Et du coup, là, on va aller à Birchbox. C'est un premier événement que j'ai. Voilà. Et là, j'ai vraiment honte. Hein, parce que, genre, en plus, il n'y a personne de l'agence. Il n'y a que Myriam et moi. Oh, il y a grave du monde, Myriam. Là, genre, tu sais, des influenceuses, elles sont habillées hyper stylées. Moi, je suis une normale. Ouais. Oh là là. Ah mince. Je sais pas. On y va, je prends par exemple la base, vous allez serrer la base, vous pouvez serrer la main, on va faire un peu ensemble, on ferait la main. Mais ça
un truc de ouf. Vous montrez que le présent n'a ni début ni fin. Ah ouais, c'est très philosophique tout ça. Non, c'est dans le présent, pas ni fin. Okay. On va faire un vœu dans le présent. Allez. Alors pour faire un vœu, on fait un nœud. On va prendre un truc qui s'appelle des ciseaux. Des doigts. On prend des ciseaux, Myriam. Vous avez coupé la corde. Avec ici, si on ah ouais, Myriam, t'as coupé la corde. On a pris une corde, Myriam. Exactement, une petite corde et une grande corde. Et on peut donner l'illusion, comme un vœu, que les deux cordes sont de la même taille. Et si on réfléchit dans le présent, Vinani, des on a qu'une seule corde, elle est ici. Mais moi, ça me fait mal parce que je me rappelle quelque chose en même temps. Tu parles de. Tiens, regarde, en fait, c'est très simple. C'est que tout ça n'est qu'une illusion. Ouais. Comme on est ici et on n'est pas au pôle Nord, mais on va y aller. Allez, il n'y a plus de. En fait, j'enlève les bouts de la corde. On est dans un monde parallèle. Et là, on a une corde dans le centre. Dans ma poche, j'ai deux petits bouts plus encore que je peux remettre. Et ça donne l'illusion, si je cache l'intersection, qu'on a une corde. Voilà. Marrant en plus, hein. Mais pas santé. Ma journée elle est trop longue, je suis fatiguée. C'est d'être Mère Noël. Hein. Bon mes amours, cette vidéo elle est à présent terminée. J'espère que vous avez kiffé passer la journée en Mère Noël avec moi. Si c'est le cas, vous me laissez un pouce bleu. Si c'est pas le cas, un pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon Instagram. Il y aura également mon Twitter et mon Snapchat en barre d'infos. Et puis bah, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ya ya ya.